avait fait la dernière fois. Oh putain, j'ai pas pris de notes. Moi, j'ai dû regarder la vidéo pour savoir de rien été. Hein. Bah, moi, je viens de la regarder là et je me souviens que on était rentré sur Palaiso et qu'on avait aidé des marins, il me semble. C'est ça. Le capitaine Martok, je crois. Non. Séance, on est monté au sommet du Beffroi. Oui, mais après on est. Oui, ça. Oui, d'accord. En revenant au port, vous êtes tombé sur. Oula, le Beffroi, je m'en souviens absolument pas. Bah si, avec les. Voilà. Mais. Non, putain. Avec les Google Press. Oui, je vois la situation, mais je m'en souviens absolument pas. Moi, on était encore à monter au Beffroi. Cette cocatrice. C'est pas l'Olympia, hein, tiens. Je crois que j'avais déjà fait celle-là. Vers la sorcière enceinte. Ah mais non, mais là, ça fait une pace. Du sang de Pélonus, elle nous confie son fils Neut. Je sais pas. Une cigogne enlève le gamin. C'est l'obus. Fini par récupérer cette scellard. Non, retourne en ville. Ah, il manque la suite. Mais ah, il te manque la suite. La suite, c'est ça. Effectivement, vous êtes parti à l'assaut du Beffroi où les Cocatrix avaient fait leur nid. Bah, vous avez réussi à récupérer du sang de Cocatrix, mais en voulant rentrer à la tour du mage, vous êtes tombé sur un groupe qui courait avec des écorchés derrière eux aux fesses. Et ben vous les avez sauvés, et ils vous ont dit que il y avait d'autres survivants en ville, parce qu'eux-mêmes arrivent d'une autre ville, quoi. Ils étaient à l'extérieur de la ville, et quand ils sont arrivés, ben ils ont vu que la ville était envahie par ces morts-vivants, etc. Ils viennent de découvrir la situation. Ils vous ont demandé de les aider dans un bâtiment. Il y aurait d'autres villageois quoi, qui seraient, ils se sont barricadés face aux écorchés. Ils nous ont demandé de l'aide. Et parmi les villageois, il y avait une espèce de brouteur, un certain Cervantes, avec l'accent espagnol. Mmh. Ouais, merci. Ouais, ça m'a dit quelque chose. Hein. Inigo Montoya. C'est ça. Et vous êtes précipité sur place. Non, Antoine, non. Et on s'était arrêté là. J'ai enfin regardé Princess Bride la semaine dernière. Ça y est, il a enfin une référence. Ça y est, j'ai enfin la référence. Non, tu l'as pas vu ? Vous avez toujours pas vu. Ça, la vache. Ouais, je l'ai vu en fois deux, hein, parce que. Faut... En relis, ça la fout mal. Bah ouais, je sais bien, mais. Enfin, en rôliste d'un certain âge, je suppose, hein, parce qu'aujourd'hui... Il y a des scènes qui restent cultes. Ah, il y a des scènes qui restent cultes. Je sais ce que tu penses. Tu penses que j'ai mis le poison dans mon propre verre. Je sais que tu sais. Comme je suis intelligent, je sais que tu sais. Il y a des scènes cultes. Bon, c'est sûr, c'est cul la praline, hein, c'est pour les gosses. Et... Ah, Peter Falk, quand même, en compteur. Non, non, mais il y a des. Des bons acteurs, quand même. Carrie Wells, il y avait l'autre, là, la femme de Sean Payne. Comment ça s'appelait ? Robin Wright, André le Géant, qui fait une très belle prestation, qui était un ancien catcheur français. Moi j'ai la référence maintenant, on va dire. Ouais, voilà. Il y a des répliques cultes maintenant, effectivement, au niveau du reste, ta vie. Hein. Oui, c'est sûr, c'est. Non, mais d'accord. Il y a du culte, ouais. Mais il y a pas de cul. Oui, c'est vrai que c'était quand même. Tu veux, à côté de Game of Thrones, tu vois, on sent... C'est pas dans le même moule. Ça date un peu quand même, hein, le film. Bon, ça se prend un peu moins au sérieux aussi.
on va dire. Bah, c'est surtout ça. Moi, j'ai pas saisi le second de run. Alors, le son est pourri. Attends, je vais changer le. Je vais modifier le canal, je pense que c'est de ma faute. Ouais. Ah, c'est un peu mieux là, c'est un stéréo là. Ah oui, j'ai pas senti la différence. Ça grésille toujours. Ah, là c'est en quadriphonie. Ouais, en quadriphonie, là. C'est en surround. Du... oh non, du 7 Oh putain, ouais, c'est tellement fort que là il va falloir que je baisse parce que. Parce que moi je suis au minimum de chez minimum. Ouais, je vais changer le bruitage là. Ouais, faudrait peut-être que tu baisses le volume de ton micro et qu'on l'augmente. Au micro ? Le mien ? Ouais, là c'est. Tu peux pas aller dans les paramètres de Windows. Mais j'ai un peu trop de gain en fait. Je pense que c'est ça. C'est mieux là ? J'ai trop de gain, j'ai joué. La française des jeux, j'ai trop de gains. Ouais, trop de thunes. Il y a de ça, mais je pense aussi que peut-être des fois tu t'approches du micro et ça sature en fait. Ah, comme ça en fait. Voilà, ouais. Bon exemple. Ouais. Voilà, là on comprend pas rien. Ouais, les bruitages en beatbox, on s'en doute, mais. Machin, je vais bien m'amuser. Non, mais voilà, là c'est bon, si je me mets un peu à l'écart, ça devrait aller en fait. Ouais, mais il faut que je t'engage, Antoine. Et il faut que je baisse de mon propre de son. Bah moi, je vais vous augmenter parce que je n'entends plus personne. Je parle plus aussi. Ce qui est dommage avec les cams, c'est quand même qu'on voit que chez Louis, mais il n'y a rien d'intéressant à voir, alors que chez vous deux, c'est tout sombre derrière, mais on voit pas. Du coup, les choses intéressantes à voir. Ah, mais moi j'ai rien à voir. La cam n'est pas tournée vers l'intérieur. Si tu veux tourner, voilà, moi aussi c'est pareil, Gaël. Derrière, il y a des. Voilà, mais maintenant tu me vois plus. Ça va t'occuper. Il y a que là, tu vois du Chatham, là, tu vois. Voilà. Hop, hop, par là. Ouais, par là. À droite. Et sinon, non, il n'y a pas grand chose d'intéressant là derrière. Si tu veux, je mets un écran vert et je passe un film derrière, si tu veux, Gaël. Hein. Voilà, la bibliothèque qui défile. Ouais, c'est ça. Voilà. Tiens, on voit le bordel qui est rangé derrière. Et pour tout vous dire, donc vous étiez précipité. Arrêtez lorsque vous précipitez pour venir au secours de ces pauvres gens. Donc vous êtes avec certains Cervantes et un autre réfugié qui s'appelle Tyrus. Et ils avaient besoin de notre aide en fait, je crois, parce que leur village était attaqué ou je sais plus quoi, enfin ils avaient des problèmes. Et on s'est arrêté sur le cliffhanger de savoir si on allait les aider ou pas en fait. Je me souviens comment de ça. Comment ça ? Le cliffhanger ? Évidemment qu'on va les aider. Bah oui. Bah si, il y a un cliffhanger, bah peut-être pour... paladin n'avait aucun doute. Hein, voilà, mais pour, les deux autres, bon... Même avec deux bras en moins, j'irais les aider. Voire même les trois autres, bon... hein. Il a vu à Roland Place que ça faisait un paladin qui suivait pas ses vœux, il dérouille. Ouais. Hop, ça... Et donc, pour couper court au suspense... Si vous précipitez sur place, lorsque vous arrivez, vous voyez que la situation est déjà un peu compliquée. Il y a effectivement un bâtiment qui devait être une ancienne auberge, une taverne, anciennement, et qui est barricadée. Et lorsque vous arrivez sur place, vous voyez une créature énorme. Attends, Franck, j'ai loupé des infos. Parce que là, on a été voir la sorcière, on est revenu en ville. Ah oui, ça fait un moment. Oui, toujours. Ça, c'était il y a deux scénarios, ça. La sorcière avec le gosse que vous avez fait pleurer pour récupérer ses larmes. Ouais. Ensuite, vous êtes revenu et vous avez fait tout un truc. Vous êtes revenu à la tour. Vous êtes monté au niveau du... Vous avez découvert les derniers ingrédients. Louis a failli se perdre dans le jardin, dans la poche émotionnelle. Ah oui, parce que j'étais plus là pour le... voilà. Ensuite, vous êtes parti à la recherche du sang de Cocatrix, qui est un des ingrédients pour la chronosphère.
Et ouais. Donc vous êtes à monter en haut du beffroi pour combattre les Cocatrix et vous avez récupéré du sang de Cocatrix. Moi le sang de Cocatrix c'était avant la sorcière. Oui c'était avant la sorcière le sang. C'était avant la sorcière. Oui je crois que c'était ouais. Avant. Ouais. Alors dans ce cas c'est quand vous revenez oui, c'est ça. De voir la sorcière et que vous êtes tombé sur ce groupe de réfugiés comme ça. Ouais parce qu'il y a aussi... Ah d'accord. On a trouvé ce qu'était... Alors on a l'aube... J'ai oublié de noter ça, on tombe sur le groupe de réfugiés. Ouais. On a l'aube, naissance, nuit et mort. On a l'aube, c'est le sang de Cocatrix. Et je vous mets même le texte. On a la naissance, l'alarme du nouveau-né ayant des pouvoirs magiques. Par contre, il nous manque la goutte de sang de loup-garou à la peau, à la pleine lune. Et on a une pincée de poussière de cendre d'un ancien magicien. Mais ça, on sait où aller parce que, d'après les histoires qu'on a au mausolée, ouais, d'après ce qu'on a pu lire, il y a Selmak qui était un. C'était un Goa'uld, lui, je crois. Selmak qui a sauvé la ville, mais qui a été enterré, en fait, dans le mausolée du cimetière de la ville. Donc, c'est un puissant magicien. Et je pense que, effectivement. Voilà. Mais comme on sait que, apparemment, il y a des écorchés qui traînent dans le coin, surtout cimetière. Attends, deux secondes. On revient en ville, et là on va sur les quais pour sauver des. Non, parce que. Non, vous aviez déjà combattu sur les quais. T'as le texte, Gaël, dans le chat. C'est... Bah oui, on retournait sur la tour. Voilà. Et donc, ça, après, vous avez fait le combat, vous avez aidé ces deux hommes. Ouais. Et ils vous ont dit. On dirait Cervantes, là, et ces deux hommes, ils ont tenté, quand ils sont revenus, parce que ils ont juste une hache, des bûcherons, etc. Ce sont ils étaient une quinzaine d'habitants des terres qui étaient au nord de Palaiso, ouais. Et menés par un aventurier de passage du nom de Cervantes, ils ont décidé de venir en ville pour s'emparer d'un bateau pour fuir vers Lycanis. Ouais, c'est ça. Et lorsqu'ils sont arrivés en ville, ils ont été pris à partie par les écorchés, évidemment. Ils se sont réfugiés dans une auberge où ils sont barricadés à l'est de la grande place. Ils ont tenu toute une nuit et puis le lendemain, donc Cervantes et deux hommes ont tenté une sortie vers le port pour savoir si le chemin était dégagé. Et c'est là que vous les avez rencontrés avec des écorchés aux fesses, quoi. Mais ils vous demandent de l'aide parce qu'il donc dans un bâtiment il y a les autres réfugiés à l'intérieur et la maison est prise d'assaut, quoi. Ça y est, ça me revient. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué. Et donc là, on se dirige vers le bâtiment où ils sont tous réfugiés. C'est ça. Donc après, je vous avais juste demandé savoir si vous y allez rapidement, si vous faites profil bas ou si vraiment vous êtes très très... En gros, à quelle vitesse vous y allez, à quelles précautions vous prenez. Est-ce que vous y allez en courant comme ça? Est-ce que vous y allez en faisant profil bas? Ou est-ce que vous y allez vraiment en observant entre chaque bâtiment, en prenant le temps vraiment de le souci, c'est qu'il y a pas mal de patrouilles, de décorchés. Donc, si on y va en courant, on risque de tomber une année avec une patrouille. Oui, mais si on y va pas en courant, on y va en courant discrètement. Il faut qu'on évite de ramener des patrouilles. Bah, ouais. Ça serait pas mal, quoi. Ah, on peut aller. Sinon, on poule toutes les patrouilles, on les. Puis on les a fait à la E. Hein. Sinon, on court et on laisse le paladin régler le cas des patrouilles. Ouais, bah oui. On les a où du paladin, comment tu fais un tourbillon de waza et puis voilà. Des consécrations, c'est ça. Ouais, consécration. Ouais, mais. Ça a été nerf. Hein. Donc. Ben. Ouais, courir en robe de bure là, c'est pas facile. Enfin, en robe. Ouais. Dans ma tunique. Il faut y aller rapidement. Je suis vite. Hein. Donc. On marche d'un bon pas, on va dire. Ouais, voilà, on marche d'un bon pas. Ouais, vous êtes super. Bon pas. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, on y va, la queue, Ouais, nonchalamment, mine de rien. Mais tout en étant discret. Sans attirer l'attention des gardes. Et tout ça au pas de course. Non, on y va... Ça a l'air... On y va tout de suite, assez rapidement, mais sans courir pour autant.
Il a bien courir. D'un bon pas, mais sans courir. Voilà, je suis obligé de soulever un peu ma robe pour avancer vite, mais sans courir, tu vois. Très bien. Qu'est-ce que tu caches dessous? Lorsque vous arrivez sur place... Ah, t'aimerais bien savoir. C'est un qui, justement? Un petit enfant? Lorsque vous arrivez sur place, vous voyez le fameux bâtiment. Vous voyez dans la ruelle, effectivement, des écorchés. Trois, pour être plus précis. Et une créature énorme. Je crois que vous en avez déjà rencontré. Ah, c'est les fameux trolls de... Un troll, ouais, écorché. Vous voyez que à ses mains, qui étaient déjà suffisamment impressionnantes comme ça, on lui a fixé des grandes griffes au bout de ses bras. Et une lueur particulièrement mauvaise sort de ses yeux. Vous voyez, il ressemble à un énorme écorché, à la peau verdâtre, mais complètement noircie dans le dos, etc. Sa peau est osseuse, bien que carbonisée, le protège apparemment efficacement. Il émane de lui une odeur de chair carbonisée absolument écœurante. Fais demi-tour. Grosse image. Oups. Ah, c'est Serval. J'ai fait un joli montage photo quand même. C'est un montage photo, putain. Ah bah les images ne sont pas fournies. Bah écoute, même pas que c'est un montage photo. Oui, ouais. C'est moi qui ai rajouté les griffes. Bien fait. C'est parfait. Sympa. Et quand vous arrivez, il vient de défoncer. On est des MJ qui pourraient en prendre de la graine. Il vient apparemment de défoncer la porte de la taverne. Il s'apprêtait à entrer lorsque vous arrivez. On va commencer par une petite test d'initiative. Alors comment on joue déjà? C'est coupe longeant, je crois. Bien, là mon init. Ah bah pour un paladin t'es pas très motivé hein. Vous êtes motivé par contre. Ouais. J'ai un problème de cadrage là. Manque max. Ouais j'arrive, j'ai un problème de cadrage. Cadrage. Ouais. Sur moi les caméras, sur moi. Ah, initiative, pardon. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bien. Comme ça, j'ai le temps de recliner mon cadre. C'est ça. Et pas sans noir. Mettre le ici. En fait, c'est mal foutu ce que j'ai fait. J'avais tous mes sorts. Pourquoi t'as plus rien? Bah, si, justement. Oui, puisque vous avez voyagé pendant une journée en bateau pour revenir. Ah, oui, c'est pour ça. Par contre, je sais pas pourquoi t'as un effet de flèche enflammée. Un des 6 de feu sur toi. On va peut-être l'enlever ça. Ça pourrait. T'as une flèche enflammée dans le dos. Ça va, t'as pas trop mal? Et la résistance élémentaire, c'est dû à quoi ça, d'après toi? Tu vois? Moi? Fou, de la tricherie. C'est dû à la tricherie. Bah c'est ça vient de mon. Ma spécialisation. Ah oui, ouais. Exact. C'est vrai que tu es magicien du feu. Et le flou par contre, c'est un sort que tu t'étais jeté, non? Le flou. Ouais, t'as un sort de flou sur toi. Je vois rien. Le flou, j'ai pas de sort de flou, c'est ça qui m'embête, lumière. C'était appliqué par un bénédicte. Non, ça c'est LED. Non, flou, c'est toi qui l'as invité, Mini. Flou. Je sais pas comment je. Bon. Shetard, il est vitesse réduite de moitié, des avantages au jeu de cartes testiques. Ouais, tout va bien. Clovic, je vais l'enlever puisqu'il n'est pas là, il est resté à la tour, je vous rappelle. Ouais. Je pense que c'est depuis un petit bout de temps, mais ça s'est peut-être enchaîné, donc c'est peut-être en mal. Qu'est-ce qu'il a utilisé, Shetard? Moi, je suis en fatigue. Je suis en fatigue. Exact. Mais c'est peut-être normal, c'est peut-être on est... L'effet persiste peut-être. C'était encore, je sais plus d'où ça vient. Ça vient du dernier combat où tu as fait des fumbles, Louis. Ah bah oui, d'accord. Et deux fois t'as pris un fumble avec de la fatigue.
Oui, bah ok. Ah, t'es épuisé. Donc, ta vitesse est réduite de moitié. Il faut faire gaffe à l'épuisant. Je suis pas en sueur parce qu'on l'a attendu tout le long. Donc. Non, mais l'épuisant, faut faire attention parce que plus tu prends des paliers, et plus ça peut être dangereux. Après, hein. Ah, pardon. Ah, oui, alors même épuisé, il court. Et tu veux jamais me prendre sur tes épaules, je comprends pas. Ah, tu me prends pour un félin d'une autre taille, je pense. Hein. Parce qu'avec la vitesse où il court, il a peur que ta robe s'envole derrière, tu vois. Les fédis, je crois que ça fait 1m50 pour 40 kg. C'est ça, hein. Ouais. Je suis pas très lourd, je suis pas très gros. Hein. Ouais, bah. J'ai pas la... Alors, moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Oui. 150 kg pour un... 50 cm pour 140 kg. Bon bah y'a du monde. Hein. 17, bon. Bravo, bravo. C'est rien, je jette l'initiative de Cervantes. Ah, puis t'as pas fait tes. Pas scripté. Pas fait les écorchés non plus. Excusez-moi, je roule mes clubs parce que j'ai plus de clubs. Ni l'écorché trop. C'est vrai. Hop, initiative des PNJ. Et merci Franck au fait pour le rouleset et de m'avoir invité dans ce groupe où je connais tout le monde. Ah, tu connais déjà tout le monde, ouais. C'est Brutus en fait. Faut pas le lire. Bon. T'enregistres. Oui, bah je couperai au montage. Du coup, tu es rapide, mais c'est à toi. Ouais. Eh bien, j'ai 12 cases, sauf que en fait, ça me fait que 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'ai mon bâton, ça me fait pas une allonge, ça. Non, à chaque fois que tu réessayes, Louis, c'est bien tenté, mais non. Bon, à chaque fois, je redécouvre. Une arme d'as, mais pas le bâton. Bon, y a pas une position de mise en défense en défense. Non, y a pas ça. Y a pas ça, par contre, tu peux utiliser ton action, si. Tu peux utiliser ton action, effectivement. Ah, attends, j'ai des trucs particuliers, je pense. Je sais pas quoi, sauter, courir, un truc comme ça. Non mais dans les actions de combat. Les actions de combat, si tu peux te faire de défendre. Esquiver, ouais. Esquiver, quand vous choisissez l'action ouais. Esquiver, votre unique objectif est d'éviter les attaques jusqu'au début de votre tour suivant. Donc tu peux faire ça. Comme tu peux pas attaquer, tu peux décider d'esquiver. Et tu ne peux pas le faire si t'es neutralisé ou si ta vitesse est réduite à zéro. Ouais, bah c'est ce que je ferais. Ouais. Voilà. Sa vitesse est pas encore réduite à zéro. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, c'est le prochain fumble. Je crois que c'est le prochain fumble. C'est ça. Bon bah ok. Alors. Altiris. Ça lui donne un bonus de quoi? Un désavantage pour les attaques. Un désavantage. Pour ceux qui l'attaquent, ouais, donc c'est pas mal. C'est quand même bien balèze. Bon, je vais faire un classique projectile magique. On est quel level là? 5 ou 6. Il y a un mec qui a fait les conditions de base en français. Pas mal ça.